Ça s'appelle le bar de la plage. C'est donc un bar qui a été fabriqué avec à peu près 200 à 300 kilos d'ordures qui ont été ramassées sur les côtes du côté de l'Orient. C'est des matériaux de dépollution. C'est ce qui m'intéressait le plus dans cette pièce, c'est-à-dire un petit truc sucré, comme ça, extrêmement coloré, qui est en plus un bar, donc un lieu de discussion, et qui malgré tout est un objet sinistre. Bon, il est évidemment bourré de placements de produits, des grands pollueurs de la planète. Ils sont tous très bien représentés. On a des choses à faire beaucoup plus importantes que de fermer le robinet quand on se lave les dents. Ça passe par un changement de société, un changement de comportement. C'est un mouvement de groupe, en fait. Les objets que j'utilise, qui sont non écologiques, sont extrêmement nombreux. Et de toute façon, j'ai pas le choix. Je vis dans une société, en fait, qui me les impose.